Émilie Bigan, je suis chargée de mission géomatique à l'établissement public Loire. Donc, l'établissement public Loire, c'est un syndicat mixte sur le bassin de la Loire et ses affluents. Et donc je suis la géomaticienne. Et ben oui, il y en a qu'une et accompagnée d'une apprentie depuis peu. Oui, on utilise QGIS depuis un bon petit moment maintenant. Donc QGIS est mis à disposition de presque 60 utilisateurs de QGIS à l'EP Loire aujourd'hui, avec des niveaux qui vont de grands débutants à utilisateurs presque avancés. On n'a que QGIS. D'accord. Enfin, on est basé sur une base Postgre, PostGIS, okay. En matière de logiciel, il n'y a que QGIS. Eh ben, j'ai appris plein de choses ce matin, j'ai découvert des plugins que je vais pouvoir tester et ouais, franchement on va essayer plusieurs choses qu'on a vues ce matin. Et moi j'interviens cet après-midi pour expliquer comment on a déployé QGIS au sein de l'établissement public Loire, autrement qu'en passant à la main sur chacun des 60 postes utilisateurs. D'accord, et du coup c'est bon, la présentation est prête ? À fond. La démo est prête ? À fond. Bon, bah, trop bien. Bonne conf alors, Aline. Merci Julien.